Il y a un an, jour pour jour, Luca Catarina pointait à la 919e place au classement ATP. Ce lundi 18 décembre, le tennisman monégasque grimpe au 366e rang mondial, le meilleur classement de sa jeune carrière. La récompense, en chiffres d'une saison pleine où le protégé de Guillaume Couillard a disputé 31 tournois, remporté 64 matchs, qualifications comprises, et décroché 3 titres en simple et 1 en double, tous acquis sur des tournois futurs. Ça a été une saison qui a été longue déjà, assez fatigante, mais plutôt positive. Donc je suis vraiment satisfait de ma saison. Donc j'ai bien joué dans l'ensemble. J'ai pas été blessé, j'ai beaucoup enchaîné, donc à tous les niveaux ça a été positif. C'est une saison très agréable à vivre parce que il a atteint les objectifs qu'on espérait, on le savait capable. Maintenant, entre être capable et le réaliser, c'est autre chose. Ça faisait déjà quelques années où il arrivait à élever son niveau de jeu et son niveau moyen s'élevait de plus en plus. Donc on savait que ça pouvait arriver. Et puis voilà, un petit déclic, un tournoi qui se passe bien, quelques victoires, de la confiance. Et derrière, ça s'enchaîne comme il faut. Donc c'est évidemment une très belle saison. Entre janvier et début juin, Luca Catarina remporte 6 matchs en tableau principal, avant le déclic, une série de 3 tournois à Harare au Zimbabwe, où il se hisse pour la première fois de sa carrière en finale sur le circuit ATP, la seule qu'il perdra de la saison. J'avais pas fait un bon début de saison et ça m'a un peu relâché, on va dire, parce qu'avec une finale, mon classement a un peu avancé. Et voilà, j'ai pris de la confiance et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai enchaîné. Et après, j'ai eu juste derrière la bonne période où j'ai gagné 2 tournois, fait une des demi-finales. Donc à partir de là, ma saison, elle a été lancée. Ouais. La suite, c'est donc 3 tournois futurs remportés en Turquie, au Portugal et au Mexique, tous sur dur, sa surface favorite, et un titre en double en Angleterre. Au rayon des satisfactions, une saison sans blessure, avec 12 mois sur les courts et un travail physique qui a payé. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de soucis physiques. Même quand je jouais en tournoi, j'avais souvent mal quelque part. Alors que cette année, non, cette année, physiquement, même dans les matchs longs, je tenais, je me sentais bien. Je sentais que justement, ça devenait un point fort par rapport aux autres. Je récupérais bien aussi des matchs longs, etc. Donc je pense que c'est vraiment un mélange de tout, quoi, à tous les niveaux. Il y en a beaucoup des satisfactions en effet, mais moi la plus importante c'est en effet qu'il a réussi à garder un niveau de jeu stable pendant toute une saison, malgré la fatigue, avec des conditions de jeu différentes entre le début d'année en indoor et l'été quand il fait chaud en extérieur, tout ça c'est des conditions différentes. Il a réussi à chaque fois à avoir les ressources pour physiquement aller au bout des choses. Et voilà, c'est vraiment d'avoir réussi à jouer 12 mois à ce niveau-là qui est intéressant. Ce nouveau classement est le reflet d'une saison réussie, mais aura également une influence sur celle à venir. C'est vrai que c'est important par rapport à l'année prochaine parce que ça va me permettre d'être tête de série dans les gros futurs, plus gros que ce que je fais maintenant, c'est-à-dire 25 000 $. Et aussi, ça va me permettre commencer à jouer des challengers. Donc c'est vrai que je passe dans un nouveau circuit, plus gros, avec des plus gros tournois, des joueurs qui sont meilleurs. Donc à tous les niveaux, ça sera bien parce que voilà, tu sens que le travail commence à payer. Et donc c'est vrai que mon classement va me permettre de jouer ces tournois. Donc ça, c'est cool. Luca Catarina va couper une semaine avant de reprendre la préparation physique, les axes de travail avec son coach Guillaume Couillard durant l'intersaison, améliorer la volée, développer son jeu vers l'avant, oser plus, venir au filet et continuer à se former physiquement.